Bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. On a 23 participants de connectés pour l'instant. Donc il nous manque encore des personnes. On va attendre un petit peu, une petite minute, avant de démarrer. S'il y a un problème de son, si vous ne m'entendez pas, ne me voyez pas bien, n'hésitez absolument pas à l'inscrire dans le chat qu'on puisse réagir. Donc on va démarrer. Donc pendant la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions également dans le chat. On a prévu un temps d'échange en fin de webinaire pour pouvoir y répondre. Donc on va démarrer. Donc merci d'être présent déjà pour ce webinaire qui est consacré aux solutions que propose le groupe Vicat dans le cadre finalement de la RE 2020 pour la maison individuelle. Donc je me présente, je suis Pierre Ixer, je suis responsable de prescription pour le groupe et je travaille notamment au développement des solutions de béton biosourcé, dont il sera notamment question pendant ce webinaire. Donc pour présenter rapidement le groupe, il faut savoir que le groupe Vicat est un groupe cimentier français, le seul groupe cimentier français, qui a été créé il y a à peu près 170 ans, dans la lignée de l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat. Aujourd'hui, le groupe propose une offre de matériaux minéraux biosourcés, ainsi que des services dédiés à la construction. Donc, nos trois activités historiques sont le ciment, les granulats et le béton, auxquels vont s'ajouter des filiales autour de l'acte de construire et en lien direct avec vos métiers. On peut citer VPI, VPI pour Vicat Produits Industriels, qui va proposer des solutions pour le second œuvre, des enduits de façade, des colles de carrelage, des ragréages, des mortiers de réparation. On peut parler également de Vicat Circulaire, qui est une filiale dédiée à l'économie circulaire et qui va proposer des offres sur mesure à destination des acteurs du territoire pour les aider dans la gestion de leurs déchets. On pourrait parler également de SATM, une filiale de transport et de logistique grands travaux, Sigma Béton, qui réalise des essais et des études sur les granulats, les ciments et les bétons. Et il faut savoir que le groupe travaille également au développement de systèmes constructifs en collaboration avec des industriels, des solutions qui sont développées à partir de matériaux innovants. On a les solutions Biosys, qui sont réalisées à partir de matériaux biosourcés, de béton biosourcé. On en parlera notamment dans ce webinaire. Des solutions à base de mousse cimentaire Hercima, dont il sera également question aujourd'hui, ainsi que des solutions à partir de béton fibré ultra haute performance SmartUp. Il faut savoir que l'objectif du groupe, c'est d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, et travaille pour cela sur différents axes, que ce soit sur l'amélioration de nos process industriels, mais également finalement sur les innovations produits, que nous développons. Entre autres, on y reviendra plus en détail, mais on a lancé une démarche DTK, dont l'objectif va être de proposer des solutions bas carbone à partir de matières premières locales en s'appuyant sur notre maillage industriel local. Un maillage industriel qui nous permet en plus d'être fortement incorporé dans les territoires, enfin intégré dans les territoires finalement dans lesquels nous sommes implantés, et ce qui nous a permis d'être le premier producteur de béton à obtenir la certification Origine France garantie. Bien sûr, les équipes de Vicat sont également là pour accompagner les acteurs de la construction, que ce soit en amont des projets en prescription, avec notamment un accompagnement technique sur le calcul des données carbone, sur la fourniture également de justificatifs de données environnementales. Ça va être également un accompagnement commercial lors de la réponse aux appels d'offres et bien sûr un support technique sur chantier qui va se traduire notamment par de la formulation spécifique de béton et bien sûr une assistance à la mise en œuvre.
Donc, pour parler de nos implantations en France, le groupe Vicat dispose en France de 5 cimenteries, 2 cimenteries en Isère, une à Montalieu, une à Saint-Égrève, une à proximité de Nice à Peille, exactement, une à proximité de Nancy à Xeuillet, et une dans le centre de la France à Créchy, dans l'Allier plus précisément. Nos implantations industrielles sont implantées autour de ces cimenteries, c'est pourquoi vous pouvez voir qu'on est absent finalement de la façade ouest. On a un maillage industriel relativement dense autour de nos cimenteries, avec 38 carrières de granulat et 137 centrales de béton plein d'emploi, ce qui va nous permettre de favoriser l'emploi local, mais aussi de limiter l'impact carbone de nos solutions en travaillant avec des matières premières locales et d'inscrire nos outils industriels dans une démarche d'économie circulaire, puisque ces outils industriels vont nous permettre de gérer bon nombre de déchets liés à la construction. En plus, bien sûr, ce maillage industriel nous permet de livrer nos clients dans les meilleures conditions. Avant de parler plus spécifiquement des solutions qu'on propose dans le cadre de la RE2020 pour la maison individuelle, quelques rappels sur les grandes évolutions de la RE2020 par rapport à la RT 2012. Donc, sur les aspects énergétiques, donc la surface de référence n'est plus la SHAB, mais la SRT. L'inverse, pardon, excusez-moi, c'est la SHAB, c'est plus la SRT. On a une augmentation de l'exigence sur le B-Bio, une augmentation d'exigence d'à peu près 30% par rapport à ce qu'on avait sur la RT 2012. Et sur la consommation, on a un nouvel indicateur qui est apparu, qui est le CEP-NR, donc consommation énergie primaire non renouvelable. Au niveau du confort estival, la TIC, donc température intérieure conventionnelle, a été remplacée par un nouvel indicateur, qui est l'indicateur degré-heure, et qui en fait va simplement caractériser la durée et l'intensité des périodes d'inconfort dans le bâtiment sur une année lorsque la température est considérée comme générante de l'inconfort. Et ce qui est surtout nouveau, c'est que la RE2020 va maintenant imposer un volet carbone avec deux nouveaux indicateurs, un indicateur IC énergie qui va être lié aux impacts directement liés finalement aux consommations d'énergie, par multiplication des consommations par leur impact carbone, en sachant que le calcul va se faire sur une durée de 50 ans, qui correspond à la durée de vie moyenne d'un bâtiment, et un autre indicateur, qui est l'impact IC construction, qui va s'intéresser aux impacts carbone de tous les produits qui rentrent dans la construction du bâtiment, en considérant l'ensemble de leur cycle de vie, de l'extraction des matières premières jusqu'au recyclage, en passant bien sûr par la production, la mise en œuvre et la vie en œuvre. En sachant bien sûr que pour cette IC construction, la durée de vie est bien sûr toujours de 50 ans, ce qui veut dire que pour certains produits qui pourraient avoir une durée de vie inférieure à 50 ans dans les F2S, il faudrait prendre en compte plusieurs fois leur impact carbone pour le calcul ACV du bâtiment. Il faut savoir également qu'à cela s'ajoutent les impacts carbone liés au chantier qui pourraient intégrer finalement tout ce qui n'est pas intégré dans les F2S des produits. Ça peut concerner notamment l'utilisation des grues, l'eau de chantier, ce genre de choses. Donc pour le calendrier, donc la date importante, c'est le 1er janvier 2022, date à laquelle finalement rentrera en application cette nouvelle réglementation environnementale, en sachant qu'elle concernera dans un premier temps uniquement les bâtiments d'habitation, donc les maisons individuelles et les bâtiments d'habitation collectifs, dont les PC auront été déposés après cette date du 1er janvier 2022. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc à partir de cette date, les maisons individuelles devront justifier d'un impact construction, donc d'un indicateur IC construction inférieur à 640 kg de CO2 équivalent par mètre carré, en sachant que ce seuil va évoluer dans le temps. En fait, jusqu'à 2025, l'objectif, c'est que les différents acteurs de la construction puissent s'approprier cette méthode d'analyse de cycle de vie. Et ensuite, l'étau va se resserrer, si je puis dire. Les seuils vont être abaissés progressivement, avec un premier abaissement de seuil en 2025, où on va passer à 530 kg de CO2 équivalent par mètre carré. Un nouvel abaissement en 2028, où il va passer à 475. Et enfin, en 2031, où il passera à 415. Pour les autres indicateurs, on devrait par contre, avoir des choses qui vont être stables, y compris sur l'indicateur IC énergie, même si certaines adaptations sont prévues jusqu'à 2028, mais on est sur une valeur stable qui est de 160 kg de CO2 équivalent par mètre carré.
Donc, si on prend l'exemple d'une maison individuelle classique sous RT 2012, construite avec des blocs de béton de granulat courant, en considérant une maison très simple de forme quasiment cubique de 100 mètres carrés à peu près de surface et en R plus 1, on peut évaluer l'impact carbone, donc IC construction, à environ 540 kilos de CO2 équivalent. Donc, ce qui veut dire qu'une telle maison, finalement, serait conforme vis-à-vis du seuil qui sera imposé en 2022. Donc, bien sûr, on ne peut pas généraliser à toutes les configurations, puisque la configuration de la maison va avoir un impact sur le bilan carbone. Pour des maisons plus complexes, ce que je vous dis là ne serait peut-être pas vrai, on pourrait avoir des maisons non conformes. Par contre, ce qu'on pressent, ce qu'on constate, c'est que, en premier lieu, l'effort sera plutôt à porter sur les aspects énergétiques, notamment le bébio, plutôt que sur l'indicateur IC construction. En fait, les efforts sur l'IC construction vont augmenter progressivement avec les abaissements de seuil et sont très importants à partir de 2025. Ce qui est important également de souligner, et c'est pourquoi d'ailleurs deux des solutions dont on va vous parler dans ce webinaire concernent la façade, l'enveloppe, pardon, c'est que l'enveloppe est primordiale dans le bilan carbone et énergétique d'une maison individuelle. Bien sûr, le système de chauffage a une énorme importance, notamment sur le CEP et l'IC énergie, mais l'enveloppe du bâtiment va influer de manière importante sur différents paramètres, notamment l'IC construction, par le choix des matériaux et la quantité des matériaux utilisés, mais également sur les aspects énergétiques et notamment le BBO via la gestion de l'étanchéité à l'air, des ponts thermiques et la performance de l'isolation thermique. Ce que je vous dis là, c'est d'autant plus vrai en maison individuelle où finalement l'enveloppe de la maison va représenter une part assez importante par rapport à l'ensemble des matériaux utilisés pour la construction. Alors bien sûr, tout ça est lié, hein. Si on modifie un des paramètres, un des indicateurs, on va forcément avoir un impact sur les autres. Exemple tout simple, si on augmente l'isolation, on va améliorer le débio, mais évidemment, on va augmenter le bilan carbone lié à cette isolation. Tout d'abord, il nous semble important, vis-à-vis des solutions que l'on propose, de vous parler de notre démarche bas carbone DECA. DECA, c'est un label interne qui vise à permettre aux acteurs de la construction d'identifier facilement et rapidement les solutions les moins carbonées du groupe qui leur permettent de répondre à leurs besoins et aux exigences de l'ARE 2020. Donc, c'est un label qui se veut commun à toutes les solutions du groupe, en sachant que différents niveaux seront possibles, niveau bas carbone DK1, niveau très bas carbone DK2, et demain, lorsque les technologies seront disponibles, niveau DK3, DK4, etc. Donc, pour parler de nos solutions, il faut savoir que ce label DECA dont je vous parlais va concerner en premier lieu les solutions béton. En sachant que pour les solutions bas carbone, nous avons pris comme référence des bétons de base utilisés couramment dans la construction et qui sont formulés à base de ciment CEM2. C'est important de le préciser parce que certaines offres pour afficher des pourcentages plus flatteurs vont se comparer aux solutions les plus carbonées. Nous, ça ne nous semblait pas pertinent, il nous semble plus judicieux de nous comparer aux solutions qui sont utilisées à l'heure actuelle sur les chantiers. Donc, par rapport à ces ciments, donc ces bétons formulés à base de ciment CEM2, le niveau DK1 permet un gain de 10 à 20%, le niveau DK2 un gain de 20 à 50%, et DK3, qui n'est pas encore disponible, mais qu'il sera bientôt, permettra des gains carbone supérieurs à 50%. Donc encore une fois, ces pourcentages, on les donne à titre indicatif, mais ce qui est important, c'est surtout les valeurs absolues. Il nous semble plus judicieux de raisonner en valeur, clairement, de kilos de CO2 par mètre cube de béton, parce que c'est des valeurs qui, elles, sont fixes, contrairement à des pourcentages qui peuvent varier pour une même performance carbone selon la référence qui est prise en compte. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un béton classique en maison individuelle, donc un C2530 XF1, les solutions DK1 vont permettre d'obtenir des niveaux carbone compris entre 175 et 190 kg de CO2 équivalent par mètre cube, et le niveau DK2 entre 110 et 175. Donc, comme vous pouvez le voir, les performances ne sont pas fixes, parce qu'on vous parlait tout à l'heure d'utilisation de solutions locales. C'est très important pour nous. Donc, en fonction de la localisation du projet, les solutions bas carbone que l'on pourra proposer ne seront pas les mêmes. Voilà pourquoi on est plutôt sur des fourchettes que sur des valeurs fixes.
Donc, si on fait un zoom, un focus sur la maison individuelle, les bétons vont surtout se concentrer sur les fondations, les longrines, sur également les dalles, que ce soit des dalles pleines ou des dalles de compression sur système poutre-aiguardie, par exemple. Ça peut être le cas sur les murs, mais c'est quand même plus rare, puisqu'en général, on va être sur des solutions plutôt de maçonnerie, mais également sur les chapes, pour lesquelles on a également des solutions bas carbone à proposer. Donc toujours pour cette maison dont je vous parlais tout à l'heure, donc de 100 mètres carrés en R plus 1, de forme relativement simple, les bétons d'équin vont permettre un gain de 12 à 15 kilos de CO2 équivalent par mètre carré, et les bétons DK2 vont permettre un gain de l'ordre de 25 à 30 kilos de CO2 équivalent par mètre carré. Donc au-delà des solutions béton bas carbone, comme je vous le disais, on développe également des solutions donc constructives en partenariat avec des industriels, et deux solutions dont on souhaitait vous parler pour l'enveloppe du bâtiment. La première, c'est le bloc de béton de mousse, qui en fait est un bloc, je vais y arriver, de béton de granulat courant dont les alvéoles ont été remplies d'une mousse cimentaire Hercima. Donc c'est une mousse qui va permettre en fait au bloc d'avoir une résistance thermique intéressante et de ne pas avoir finalement de perte de surface habitable par rapport à une paroi standard que l'on aurait réalisée sous RT 2012. La mousse Hercima, c'est une mousse qui est incombustible, imputrescible, 100% minérale et très faiblement carbonée, ce qui va permettre au bloc d'être 100% recyclable, mais surtout d'afficher une valeur carbone faible, plus faible que des solutions actuelles sur le marché. On peut avoir jusqu'à 56% de gains par rapport à une solution. Donc, comme on le disait tout à l'heure, l'enveloppe du bâtiment, c'est l'une des clés finalement pour la performance énergétique et carbone donc d'une maison individuelle. Donc, c'est en ça que cette solution est intéressante. Donc, au-delà du fait qu'on soit sur une mise en œuvre très classique, puisqu'on est sur une pose de bloc rectifié à joint mince, on va avoir un énorme intérêt sur la performance thermique de l'enveloppe. En fait, grâce à la mousse, on va avoir un R supérieur à 1, ce qui va nous permettre finalement d'avoir un gain d'isolation par rapport à un bloc courant et qui va permettre de ne pas avoir besoin d'isolation complémentaire pour respecter les nouvelles exigences en termes de BBO. Donc pas d'augmentation d'épaisseur de paroi et donc pas de perte de surface habitable. En plus, c'est une solution qui est compatible avec les planelles que l'on trouve sur le marché, qu'elles soient conformes au DTU et qu'elles soient sous avis technique, pour un traitement optimisé de tous les ponts thermiques. Bien sûr, c'est une solution béton, donc aucun dégagement de COV, donc aucune problématique d'étanchéité à l'air, une étanchéité à l'air qui est traitée de manière classique, comme sur n'importe quelle solution de maçonnerie. Donc, d'un point de vue carbone, toujours pour cette maison que je prenais en exemple, donc de 100 mètres carrés en R plus 1, on a un gain avec cette solution d'environ 14 kg de CO2 équivalent par mètre carré par rapport à une solution brique. En sachant bien sûr que cette solution, elle peut être conjuguée aux solutions dont je vous parlais avant, donc c'est-à-dire des solutions de béton bas carbone pour les fondations, pour les dalles de compression pour les chapes. Donc en fait, pour résumer très succinctement, si on regarde les performances du produit, le bloc de béton de mousse, donc avec cette mousse Hercima, va permettre en fait au bloc béton d'atteindre les performances de la brique d'un point de vue thermique, mais pour un bilan carbone plus faible. Pour la deuxième solution dont je voulais vous parler, donc là on bascule sur la construction plutôt biosourcée et plus spécifiquement de la construction à base de béton biosourcé, un matériau pour lequel Vika a acquis une véritable expertise au cours des dernières décennies du fait d'un savoir-faire très particulier que l'on a chez Vika, qui est celui du ciment naturel prompt. Un ciment que l'on produit depuis 170 ans en Chartreuse à partir d'une pierre très spécifique que l'on broie, que l'on cuit à basse température et qui nous donne un ciment naturel qui se marie parfaitement bien avec des fibres végétales, du fait de sa perméabilité à la vapeur d'eau, du fait également de sa durabilité, mais aussi, ce qui nous intéresse en préfabrication, de sa rapidité de prise. Donc ça fait à peu près 20 ans que le groupe travaille sur des formulations de béton biosourcé et plus spécifiquement une dizaine d'années que l'on travaille avec des industriels sur des solutions préfabriquées. Donc
Cette expertise nous a amené assez naturellement à créer une marque, marque Biosys, qui vise à regrouper l'ensemble des solutions biosourcées du groupe Vicat. En sachant que c'est une marque qui a déjà été distinguée, hein, notamment via l'IFPEB avec le Hub des prescripteurs en 2021 et avec le Trophée du négoce en 2019. Donc, il faut savoir qu'on travaille sur plusieurs types de fibres végétales. On s'intéresse au lin, miscanthus, à la balle de riz, j'en passe. Mais il fallait commencer quelque part. Et la première fibre avec laquelle on a travaillé, c'est le chanvre. Et on a développé une solution donc, de blocs de béton de chanvre avec un partenaire industriel situé dans le Doubs qui s'appelle Vieilles Matériaux. Et qui, lui, a investi dans une usine de production dédiée à la fabrication de blocs. Donc, le matériau, c'est très simple. C'est du ciment naturel prompt, de l'eau et de la chaîne botte. Donc la chaîne botte, c'est la partie centrale de la tige de chanvre que l'on a concassée et déboussiérée. Il faut savoir que le chanvre, c'est une plante extrêmement intéressante d'un point de vue environnemental, du fait de sa résistance, qui fait qu'elle pousse facilement, sans irrigation, sans traitement phytosanitaire, que c'est également une plante qui pousse très rapidement, des cycles de production de 4 à 5 mois, qui permettent d'envisager deux cycles de production par an. Et en plus, c'est une plante zéro déchet, puisque les autres parties de la plante vont être utilisées par d'autres industries que la nôtre. Donc, ce matériau, le béton de chanvre, il va être moulé sous forme de blocs et il va nous permettre d'obtenir finalement des blocs avec des performances thermiques et hygrométriques qui aujourd'hui bénéficient d'un avis technique. Il faut savoir que cet avis technique aujourd'hui valide une utilisation pour des constructions R plus 1, que ce soit de la maison individuelle ou autre d'ailleurs, en zone sismique 1 à 3. Donc, en termes de mise en œuvre, il faut savoir que c'est une solution très simple, puisqu'en fait, c'est une solution qui s'apparente à de la maçonnerie, avec des blocs qui se montent simplement par emboîtement, c'est-à-dire qu'on n'a pas de joint, pas de mortier à réaliser. Et en fait, ces blocs vont servir de coffrage perdu isolant à une structure poteau-poutre que l'on va venir couler dans des blocs spéciaux prévus à cet effet, des blocs poteaux, des blocs poutres. C'est en plus un matériau qui se découpe extrêmement facilement, et qui a une densité plus faible que des bétons traditionnels. Donc finalement, pour un même poids, on va avoir des blocs beaucoup plus gros. Hein, les blocs qui font 60 cm de long, 30,8 cm de haut et 30 cm d'épaisseur. Donc ça veut dire qu'on n'a que 5,4 mètres carrés. Donc ce nombre réduit de blocs conjugué au système d'emboîtement et à la simplicité de découpe contribue finalement à simplifier la pose et à réduire les temps de pose. Donc d'un point de vue performantiel, le béton de chanvre, le bloc de béton de chanvre, comme vous pouvez le comprendre, l'imaginer, son point fort, c'est pas la mécanique. Par contre, il est extrêmement intéressant sur plein d'autres aspects, et notamment la thermique. Il faut savoir que le béton de chanvre, il a une conductivité thermique très faible, donc de 0,071 watts-m3, ce qui nous permet d'avoir finalement une résistance thermique de la paroi très importante, de 4,21 mètres carrés Kelvin Watt, notamment grâce au fait qu'on a un traitement de l'ensemble des ponts thermiques au niveau des joints, puisqu'on a ce système d'emboîtement qui permet finalement vraiment de ne pas avoir de faiblesse thermique au niveau de ces joints. En plus, on est sur un système qui permet de traiter l'ensemble des ponts thermiques. Les blocs spéciaux, les blocs poteaux, les blocs poutres vont en fait permettre de garder systématiquement du côté extérieur 7,5 cm de béton de chanvre. Donc ça va nous permettre d'avoir des ponts thermiques très faibles. Donc je vous ai donné des exemples. Donc là, c'est avec des planchers type poutre alourdi. On est sur des valeurs donc de 0,25 en plancher intermédiaire et 0,30 en plancher haut. Alors, sachant que pour le plancher haut, on a pris en compte une isolation là, dans ce calcul de 200 mm de polyuréthane. C'est également une solution qui va contribuer au confort hygrométrique, puisqu'on est sur un matériau qui naturellement va réguler l'humidité de l'air intérieur en fonction de l'humidité de l'air extérieur, ce qui est très important pour le confort des habitants et pour les consommations également. Et c'est un bloc qui va également contribuer au confort acoustique du fait du caractère très caverneux du bloc, qui en fait finalement un formidable absorbant. Je ne l'ai pas dit, mais en plus, on est bien sûr sur un matériau 100% naturel, donc aucun dégagement de COV, donc aucune problématique non plus en termes de qualité de l'air. L'étanchéité à l'air est traitée de façon tout à fait standard, comme sur une maçonnerie par l'enduit extérieur, un enduit à la chaux, donc proposé par notre filiale VPI,
Ce sont les enduits VPI Renault Passchaux qui permettent d'avoir tout type de teinte et de régler finalement cette problématique d'étanchéité à l'air et de conserver les performances hygrométriques du bloc, puisque cet enduit, comme le bloc, va également respirer. Donc, ce qui est intéressant aussi sur ce matériau, sur ce bloc, c'est qu'on a un taux de matière biosourcée très important qui est de 42% en masse, ce qui est très favorable dans le cadre de label biosourcé. Et comme tout à l'heure, hein, pour l'autre solution, on peut évidemment la mixer, y ajouter des solutions de béton bas carbone pour l'infrastructure et les planchers. Donc, pour résumer, en fait, le bloc Bio6, c'est une solution qui va permettre d'avoir des performances carbone équivalentes, voire même supérieures à ce qu'on a sur une ossature bois en maison individuelle. Pour vous donner un exemple, donc on est sur un gain de 53 kg de CO2 équivalent par mètre carré par rapport à une solution brique, toujours en considérant cette maison type de 100 mètres carrés en R plus 1, et un gain de 4 kg de CO2 équivalent par mètre carré par rapport à une solution ossature bois. Donc pour récapituler rapidement ce qu'on vient de se dire au niveau des performances carbone des solutions qu'on vous a proposées. Donc il y a trois solutions qui sont parfaitement adaptées à la maison individuelle. Les bétons bas carbone DK qui vont permettre avec un niveau 1, DK1, d'atteindre des gains jusqu'à 15 kg de CO2 équivalent par mètre carré et d'avoir un gain jusqu'à 30 kg de CO2 équivalent par mètre carré en DK2. Le bloc, avec mousse Hercima, qui va permettre un gain de 14 kg de CO2 équivalent par mètre carré par rapport à une solution brique. Et enfin, le bloc Bio6, qui lui va permettre un gain d'environ 53 kg de CO2 équivalent par mètre carré par rapport à une solution brique. Donc voilà pour les solutions qu'on souhaitait vous présenter et les informations que l'on souhaitait échanger avec vous. Si vous avez des questions plus spécifiques sur l'une ou l'autre de ces solutions, vous avez ici les contacts des différentes personnes qui pourront vous répondre. Donc moi-même hein, sur la partie Bio6, Benoît Montazeau sur la partie bloc avec mousse Hercima et Nicolas Brasier sur la partie béton bas carbone DK. Bonjour, merci pour votre attention. On est dans les temps. On avait prévu un temps d'échange pour des questions. Donc, on les attend dans le chat. On essaiera d'y répondre de la façon la plus précise possible. Si jamais on ne pouvait pas répondre à toutes les questions, on pourra revenir ultérieurement vers vous, par mail. Donc une première question qui concerne le bilan carbone, du bloc Hercima, donc par rapport à un bloc standard. Donc, il faut savoir qu'un bloc standard rectifié a un bilan carbone d'environ 10 kg de CO2 équivalent par mètre carré, contre 15 kg de CO2 équivalent par mètre carré pour le bloc Hercima. Ce qui veut dire finalement que l'isolation, qui apporte une vraie plus-value d'un point de vue thermique, génère finalement une hausse carbone relativement faible. Une deuxième question concernant la possibilité d'utiliser le bloc Bio6 en zone sismique 4. Alors aujourd'hui, il faut savoir que ce n'est pas prévu par l'avis technique pour une raison assez simple qui est qu'on est sur une ossature béton armé relativement modeste, c'est-à-dire que je ne l'ai pas dit d'ailleurs, j'aurais dû le dire, mais on est sur des poteaux de 15 par 15, donc ce qui veut dire qu'on a une vraie problématique en zone sismique 4 pour la mise en place des aciers dans les zones critiques. Donc pour l'instant, pas de solution, mais on travaille sur d'autres solutions de blocs à base de béton de chanvre qui permettraient d'aller chercher une mise en œuvre en zone sismique. Une autre question donc concernant la composition de notre offre DK2, donc c'est-à-dire je pense quelles sont les compositions des bétons qui entrent dans cette gamme-là. Sur le secteur, ça dépend des secteurs, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'objectif, ça va être d'utiliser systématiquement des solutions locales. Donc, les solutions que l'on a sur le Rhône-Alpes ne sont pas les mêmes que les solutions qu'on pourra proposer dans l'Est ou dans le Sud de la France, par exemple. Sur le Rhône-Alpes, la solution, c'est une solution à base de ciment pouzzolanique SEM4. Donc, le ciment pouzzolanique SEM4, c'est un ciment qui va finalement comporter une part importante de pouzzolane naturelle.
Cette pouzzolane naturelle va rentrer en substitution finalement d'une partie du clinker, c'est-à-dire la matière cuite que l'on trouve dans le ciment. Et ce ciment finalement CM4 va nous permettre finalement d'aller chercher des gains carbone de l'ordre de 30% par rapport à des solutions donc, de béton standard composé à base de ciment CM2, tout en restant sur une mise en œuvre équivalente, puisqu'on est sur des montées en résistance qui sont les mêmes que ce que l'on a sur des ciments à base de ciment CM2. Et sur les autres régions, on va retrouver bien sûr pour l'instant des solutions à base de ciment CM3, puisqu'on a clairement donc, une distance de transport trop importante pour les solutions du type CM4. Et puis on a surtout une offre de laitier en local, mais on développe également d'autres solutions sur ces secteurs-là à moyen terme pour pouvoir également répondre sur ce secteur-là avec des solutions bas carbone. Une question sur les revêtements que l'on peut mettre en œuvre sur le Bio6. Aujourd'hui, une seule solution est visée par la vie technique. Ce sont des revêtements à base d'enduits à la chaux. Donc, les enduits dont je vous parlais, riches en chaux, proposés par notre filiale VPI, Rhénopace Chaux. Ce que je n'ai pas dit également, ce qui est important de préciser, c'est que ces enduits-là doivent être tramés de façon généralisée, avec marouflage dans la première passe d'enduit d'une trame de verre. On est sur du végétal, on a finalement des effets de dilatation relativement importants, donc on est obligé d'avoir ce tramage-là pour éviter tout risque de fissuration. On a la possibilité de mettre en place également du bardage en venant se fixer uniquement au niveau des chaînages béton armé, aucune fixation dans le béton de chambre. Hein. Mais par contre, il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, cette solution-là n'est pas visée par la vie technique. Donc, une question concernant les prix au mètre carré pour les différentes solutions. Donc, c'est difficile d'y répondre pour être tout à fait franc parce que ça va dépendre énormément de la configuration du projet et de la localisation du projet. Pour le bloc de béton de chambre, le prix de fourniture est d'environ 65-70 euros du mètre carré livré sur chantier. Pour le bloc de béton de mousse, j'ai pas de valeur précise à vous indiquer, mais l'idée est d'avoir un prix équivalent à ce que l'on a sur des solutions briques. Pareil sur les bétons bas carbone, et ben évidemment l'impact transport va être important, donc le prix va énormément varier selon l'implantation du projet et l'implantation du projet par rapport à nos outils de production. Donc vous donner un ordre d'idée, c'est compliqué, mais on pourra vous répondre au cas par cas si vous avez un projet spécifique à nous proposer. Pour le Bio6, le besoin d'isolation complémentaire. Donc, le système est pensé pour ne pas avoir finalement à mettre en place une isolation complémentaire. Comme je vous le disais, on a un R qui est quand même relativement important puisqu'il est 4,21. Ça peut paraître plus faible qu'un R habituel de 5, mais il faut savoir qu'on a également sur ce matériau-là du déphasage thermique, de l'inertie. Et ce qui fait que sur les maisons que l'on a pu étudier, sur les bâtiments qu'on a pu réaliser, le bureau d'études thermiques a pu montrer que finalement la paroi était conforme à la réglementation sans rajout d'isolation thermique. Par contre, on peut tout à fait envisager une isolation complémentaire, aucun problème. Par contre, il faut rester sur des isolations qui permettent de conserver le comportement hygrométrique de la paroi. Donc, on va éviter des isolants qui sont fermés, mais on va privilégier des isolants qui respirent, comme des laines minérales ou des laines végétales, par exemple. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que parfois, on peut avoir besoin d'isolation complémentaire, mais pour des notions acoustiques. Je n'ai pas parlé de l'affaiblissement acoustique, mais la solution Bio6, comme elle a un poids finalement relativement modeste, a des performances qui sont ni plus ni moins équivalentes à ce qu'on aura sur de la maçonnerie. Donc, si on est vraiment en secteur contraint sur ces aspects-là, on peut avoir besoin d'une isolation complémentaire, pour l'acoustique. Une question sur l'épaisseur du bloc Bio6. Donc, le bloc Bio6 a une épaisseur de 30 cm. Et je précise qu'il n'est pas disponible sur d'autres épaisseurs, puisque le système industriel est prévu pour faire des blocs de 30 cm d'épaisseur.
Par contre, on propose aussi d'autres blocs qui sont pas encore aujourd'hui sous avis technique, mais des blocs à bord droit, donc c'est-à-dire des blocs maçonnés, hein, typiquement, où là on a différentes épaisseurs, du 10, du 15, du 20, du 30 cm d'épaisseur, et qui vont plutôt être destinés à du doublage complémentaire de bâtiments anciens, par exemple, ou à du remplissage de structures. A priori, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous propose qu'on clôture ce webinaire. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Et si des questions surgissent plus tard, n'hésitez absolument pas à nous les poser via les contacts que nous avons communiqués. Merci à vous. Au revoir.